Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est 17h37, heure du Québec, 22 septembre 2020, cette année 2020 qui est vraiment, j'ai hâte de voir la prochaine grosse nouvelle politique. Mais là, on a une nouvelle sismique. Merci à Fabien qui m'a envoyé ça, ce lien-là. Cousin français, que je salue et remercie, m'envoie beaucoup de liens. Ça se passe en Sibérie, il y a eu un puissant séisme qui a frappé la Sibérie. L'état d'urgence est déclaré. Les autorités de la ville d'Irkoutsk, en Sibérie, ont déclaré l'état d'alerte maximale après un séisme de magnitude 5.9 et plusieurs répliques. L'intensité à l'épicentre était de 8.1, a-t-on précisé. L'état d'alerte maximale a été déclaré à Irkoutsk, en Sibérie, après un tremblement de terre de magnitude 5.9 dans la ville, dont l'intensité à l'épicentre était de 8.1. Le tremblement de terre s'est produit dans la nuit du 21 au 22 septembre. Sur décision du maire, M. Bolotov, l'état d'alerte maximale a été introduit dans la ville. Les services appropriés ont entamé la collecte d'informations sur les conséquences des secousses. Deux équipes de secours patrouillaient la ville en vue d'éventuels dommages causés aux bâtiments, indique le site officiel de l'administration d'Irkoutsk. Le département régional du ministère des Situations d'urgence a annoncé que le séisme n'avait pas fait de morts ni blessés. Namasté, tant mieux, le tremblement de terre a été ressenti dans 12 districts. Les informations préliminaires ne font pas état de victimes. Pas état de victime ni de destruction. Des vérifications sont en cours. Le Centre sismologique euro-méditerranéen avait pour sa part annoncé qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 5.3 s'était produit dans le secteur du lac Baïkal et que l'épicentre était situé à 83 km au sud-ouest d'Irkoutsk. Le foyer se trouvait à une profondeur de 2 km. On voit ici où ça s'est passé. Donc, tremblement de terre. Les premières secousses ont été enregistrées à 20h05, heure de Paris. Une réplique de magnitude comprise entre 2 et 3 s'est produite un quart d'heure plus tard. Donc, état d'alerte qui avait été déclaré. J'essaie de faire des recherches pour voir s'il n'y a pas d'autres choses là-dessus. On a l'Éthiopie qui est avec des... et les États-Unis et partout dans le monde, des États destructeurs de vraiment... pluie diluvienne partout. Je vais vous revenir là-dessus. Donc, je pense que c'est le seul lien qu'on a sur le fameux tremblement de terre. Je vous reviens dans quelques instants avec plein d'autres nouvelles. Un compte-rendu de ce qui se passe au niveau des inondations dans le monde, du climat. Toute une année qui n'est pas finie, les amis. Attachez vos tuques et vos ceintures, comme on dit par chez nous.